So, you press à la présentation. Même. Bonjour. Les quotidiens de ce samedi traitent principalement de la non-réintégration de l'opposant Ousmane Sonko dans les listes électorales. Un sujet qui provoque une levée de boucliers des avocats du leader de l'ex-parti Pastif contre la direction générale des élections. Selon le journal Vox Populi, le président du tribunal d'instance de Ziegenchor avait ordonné le 12 octobre dernier à la DGE de réinscrire Moussé Ousmane Sonko sur les listes électorales, ce qui lui permettrait de disposer de fiches de parrainage pour la présidence de février prochain, l'opposant avait été radié des listes électorales suite à sa condamnation à deux ans de prison ferme et à son incarcération depuis le 31 juillet pour plusieurs chefs d'accusation dont appel à insurrection. Ses avocats ont contesté cette décision du ministère de l'intérieur devant un tribunal de Ziegenchor, ville dont il est maire et où il était inscrit sur les listes. Ils ont obtenu gain de cause. Le juge ayant déclaré nulle la radiation de M. Sonko et ordonné son rétablissement avec effet immédiat selon ses conseillers. Sur la base de ce jugement, la direction générale des élections devrait remettre des fiches de parrainage au mandataire de M. Sonko pour la préparation de sa candidature. Mais les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur lui ont justement... Opposer une fin de non-recevoir. Il n'y a pas de décision définitive de la part de la justice, fait valoir le directeur général des élections, Tanor Tienda Lafalle, dans ses propos reportés par le journal Le Quotidien. Les conseils du maire de Iguenshors lui répondent par le même canal. La délivrance des fiches de parrainage doit être immédiate après la décision du tribunal des La DGE dit rester à l'écoute de la Cour suprême à propos du pouvoir cassation annoncé par l'État dans le dossier. Relatif à l'annulation de la radiation de son code des listes électorales. Il estime qu'il n'y a pas encore de décision définitive dans cette affaire, écrit le quotidien. Selon Vox Populi, la DGE s'accroche au concours des avocats de l'État et promet que l'État du Sénégal se conformera à la décision rendue, comme il l'a toujours fait au terme de ce processus. Wolf Quotidien note que le maire de Jégensho va devoir prendre son mal en patience pour motiver son refus de lui remettre des fiches de parrainage. La direction générale des élections affirme que l'État du Sénégal a décidé d'exercer les voies de recours qui s'offrent à lui, argant que par conséquent, il n'y a pas encore de décision de justice définitive sur cette affaire de radiation. ajoute le même journal, sauf que les arguments de la direction générale des élections peinent à convaincre, selon les quotidiens, à l'image de l'As qui affiche « tir » groupé sur la DGE. Les avocats de son cours menacent de porter l'affaire devant les hautes juridictions, souligne le journal l'As. Qui évoque surtout les réactions de figures reconnues de la société civile, dont Aline Tien, fondateur de Sing Tank African Jom Center. Tanor Tienda Lafal devrait être limogé, dit Moussetine, pendant que d'autres regardent le directeur général des élections, comme Birheim Seikh et Cher Dje, également du figure de la société civile, les derniers nommés, étant en plus un partisan d'Ousmane Sonko, ce qui corrobore l'affirmation de Source A, selon laquelle Pasteur et la société civile en range. Héros Aro sur la DGE, Ranchi, sud quotidien selon lequel la coalition de l'opposition, Yewi Askanui, recuse désormais d'en de la fall, alors que Sidi Gassama, de la section sénégalaise d'Amnesty International, déplore cette situation qui est flagrante et sans limite de l'État. Le premier ministre Amadouba, candidat de la coalition Benobo Kayakar au pouvoir, poursuit pendant ce temps sa tournée économique dans le nord du pays. De toute cette polémique d'énormes potentialités à exploiter dans cette partie du pays, constate le quotidien Le Soleil à Mondouba sur les chantiers du Nord. Indique enquête le CRD spécial sur la situation économique de Saint-Louis a mis l'accent sur l'éducation. La santé rapporte le journal selon lequel l'état de délabrement des écoles de Saint-Louis inquiète acteurs et autorités. Libération à une aborde une affaire de viol et d'inceste à Jugenshore. Le sire Mamadoubal des viols, ses 9 et deux nièces, le journal Bousbi Le Jour, nous parle ce matin du cancer du sein au Sénégal. Wagran Place fait focus sur la société Access Technologies qui promet des rails du futur au Sénégal. L'observateur revient sur le cadre du communicateur traditionnel habitant à Pékin accusé d'actes contre nature sur un enfant de 13 ans. Ce dernier a été sauvé de justesse de la prison, nous dit le journal Esport Football. Le journal stade en une. Europe à Derby, confirmation et rachat, week-end explosif pour les Lions de la Teranga. Lutte avec frappe. Ama Baldi Moutlo, ce soir en direct sur la TFM. Djarkalo, Bi, titre, le journal sur l'Oulam. Bonne lecture et bon week-end. Une presse vous a été offerte par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte.